Pandine Cherbib, Fédération des Tunisiens pour la citoyenneté des deux rives et Comité pour le respect des libertés et droits de l'homme en Tunisie, installé en France depuis plus de 35 ans. On est à la fois militant des droits de l'homme et militant pour les droits des immigrés. Donc je suis aussi membre du comité de suivi, membre fondateur du comité de suivi du Forum social maghrébin. L'Assemblée maghrébine, on a des objectifs avant tout, c'est de remettre en selle un travail que nous a demandé plusieurs années et qui s'est conclu à Al-Jadid, notre dernière étape, c'est la charte du Maghreb des peuples. Malheureusement, on n'a pas fait beaucoup de choses pour la charte, pour la faire connaître, pour la faire qu'elle soit popularisée. Et aujourd'hui, on constate que la thématique maghrébine, elle est revenue même après les révolutions, après ces changements au niveau maghrébin, à tous les niveaux, politique, social, culturel. La question maghrébine, elle est aujourd'hui en débat. En débat dans les sociétés, en débat dans les institutions, en débat chez le pouvoir public, public ici, s'est emparé de cette question à travers, par exemple, les propositions d'un président tunisien, Marzouk, sur les cinq libertés. Il se trouve que nous, dans le cadre du processus du Forum social maghrébin, on a beaucoup avancé sur ces questions-là, donc on a beaucoup de choses à dire et à mettre en œuvre dans ce sens-là. L'objectif de ce forum social, de la journée préparatoire du Forum social maghrébin, il y a deux objectifs. Un, clarifier un peu plus nos positions par rapport à comment on va aboutir à ce Maghreb des peuples, c'est-à-dire les principales, les priorités dans les revendications. Deux, préparer aussi une prochaine échéance immédiate pour le Forum social maghrébin qui est le Forum des migrants à Oujda et qui va se tenir sur deux thématiques. La première, c'est les migrants subsahariens et leur situation dans les pays maghrébins. Et la deuxième, c'est la question des frontières, donc l'ouverture des frontières. Un troisième objectif de cette journée, c'est l'investissement des différentes dynamiques du Forum social maghrébin dans la préparation de la grande échéance prochaine qui est le Forum social mondial. C'est un grand défi, oui, ce challenge, il est pour tous les Maghrébins, parce que c'est sous la responsabilité, comme vous le savez, des Maghrébins, du Forum social maghrébin. C'est une délégation du Comité international des Forums sociaux mondiaux, du Forum social mondial, qui a délégué à la dynamique du Forum social maghrébin l'organisation en 2013 d'un Forum social mondial. Donc c'est un défi à relever de tous les militants altermondialistes maghrébins. Bien sûr, comment on va pouvoir aider nos amis ici en Tunisie, nous de France et d'Europe, et les différentes dynamiques du Maroc, de Mauritanie, de Libye, d'Algérie, du Sahara occidental, comment ils vont essayer d'aider nos camarades tunisiens sur place à réaliser et à réussir surtout ce Forum social mondial en 2013.